Logiciel provision. J'ai fini de donner le foin aux vaches et je referme le bâtiment. Ne vous en faites pas. Je suis habitué. J'ai aussi quelques bêtes. À l'hôpital, c'était presque la fête. Tant tout le monde s'était attaché à cette famille. L'opération réussit. Bien sûr, il fallait attendre. Un rejet, toujours possible. Mais ce ne fut pas le cas. Tout le monde voulait participer. C'était presque l'euphorie dans l'air. Si proche de Noël, c'est un miracle, disaient les uns. La donneuse avait élu la lettre des enfants, disaient d'autres. Ça, bien sûr, on ne le saura jamais. La fête arrivait à grands pas. Tout le monde espérait. Si elle pouvait être assez forte pour passer Noël dans sa famille, le miracle serait complet. Jérémie et Catherine flottaient dans ce bonheur, encore incertain. Ce soir-là, chacun dans leur lit, les mots de leur prière se rejoignirent. Merci beaucoup. Merci, Père Noël. Nous avons décoré notre maison pour le retour de maman. Et si elle pourrait revenir pour Noël, peut-être que papa croirait en toi. Merci, merci. À l'hôpital, tout allait pour le mieux. Le chef médecin trancha. Elle sera chez elle, avec sa famille, pour le réveillon. Pas besoin de vous dire que la nouvelle fit le tour du village très rapidement. Joe jubilait. Il fallait organiser une fête pour son retour. Encore une fois, les amis d'Anna furent mis à contribution. Il ne manquait rien. Même la belle Neige Blanche était au rendez-vous quand elle débarqua. Escortée dans sa chaise roulante par deux infirmiers, eux-mêmes décorés de guirlandes. On aurait vraiment dit un conte de fées. Joe lui prit la main. Elle dut passer une haie d'honneur faite de voisins, parents et amis. Cherchant ses enfants du regard, elle les vit en franchissant le seuil de la porte. Ils attendaient au pied du sapin. « Maman, maman !» Elle avait si souvent rêvé de cette vision durant sa maladie. Elle s'était souvent demandé à quoi ressemblait le ciel. Ce soir, elle le savait. Elle reçut quelques cadeaux des enfants avant de s'avancer à la table. Vin d'honneur et bons souhaits, très peu de bruit. On ne voulait pas briser le charme. Voilà que ça frappe à la porte. Joe s'empresse d'ouvrir. Hein? Si c'est pas mon camionneur, rentre, voyons. Eh oui, c'était le même bonhomme. Habillé en rouge pour l'occasion, naturellement. Il avait même un gros sac rouge avec une voix qu'il voulait grave. Joyeux Noël, mes amis! Ho, ho, ho! Je passais par ici et j'ai bien quelques cadeaux pour vous. Ho, ho, ho! Une petite carte pour commencer. Madame Anna, juste une carte. Voyons ce qui est écrit. Oh, déjà reçu, ah oui. Ho, ho, ho! Ici, des jouets pour Jérémie, des jouets pour Catherine, avec une carte. Ho, ho, joyeux Noël, même si vous n'en aviez pas demandé. Et cette grosse boîte maintenant? Qui peut bien avoir mérité un si gros cadeau? Voyons voir. À Joe Borloo, excuse le retard, Père Noël. En ouvrant cette grosse boîte, Joe reconnut sans peine le traîneau de son enfance. Ho, ho, ho! Joyeux Noël, mes amis!